Je m'appelle Dalma David, j'ai 23 ans, je suis danseur de hip-hop. Plus précisément, je pratique le new style. Donc le new style, c'est plusieurs styles de danse mélangés en fait. Donc ça peut être classique, contemporain, du popping, plusieurs styles de danse. Je suis actuellement en formation BPJEPS AG2F, donc ça c'est pour devenir coach sportif et prof de fitness. C'est une chose que j'aurais pas pu imaginer faire. J'ai pas toujours vécu à Noyon. Là, ça fait 11-12 ans que je suis ici. Je suis né au Blanc-Midi dans le 93. J'ai vécu mon enfance dans la région parisienne, donc jusqu'en 2001. Et en 2001, en mois de septembre, on est parti en Guadeloupe. Donc c'était aussi pour ma maladie. Depuis ma naissance, j'ai eu une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Donc c'est une maladie du sang. À cause de cette maladie, j'ai eu plusieurs crises. Donc moi, j'ai souvent des douleurs très intenses au niveau de la ceinture abdominale, donc le ventre en fait. Une maladie où parfois on a les yeux jaunes. Pour certains c'est stylé, pour certains ça fait peur. Du coup, suite à cette maladie, j'allais souvent à l'hôpital parce que j'avais besoin d'être suivi pour avoir du sang neuf. Donc j'étais pas un vampire, donc voilà. Et mes parents ont voulu qu'on parte en Guadeloupe pour retrouver la chaleur, pour que les crises soient moins fréquente quoi. Et comme je disais, ça s'est empiré du jour en jour en Guadeloupe. J'ai failli perdre la vie plusieurs fois. Excusez-moi, je bégaye un petit peu parce que c'est un peu dur d'en parler. Des ans et demi après, j'ai rencontré une dame qui est très importante pour moi maintenant dans ma vie. C'est le docteur Bernaudin à Créteil. La solution, c'est qu'on enlève la maladie de mon corps, en fait, mais en faisant une greffe de moelle osseuse. J'ai eu la chance que ma petite sœur soit compatible. Et elle a bien voulu m'offrir sa moelle osseuse pour me laisser une deuxième chance dans la vie. Et franchement, je la remercie. C'est comme si j'avais une partie d'elle en moi. Donc, là, je vis, on peut dire que je vis pour nous deux aussi, et qu'on est en fusion. C'était vraiment une période très difficile, et on a réussi à la surmonter. Donc, je dis bien « on » parce que pour moi, je ne me suis pas battu tout seul. Il y avait toute ma famille, tout ça, donc c'est pour ça que je dis « on » au pluriel. Grâce à ça, j'ai une deuxième chance dans la vie, n'est-ce pas? Je pense avoir rattrapé le temps perdu. J'ai fait de la danse hip-hop, donc pour moi c'est vraiment un sport. C'est du cardio, donc se libérer en dansant, c'est vraiment... C'est un bonheur, quoi, donc m'exprimer comme ça. J'adore, je kiffe. C'est depuis que je suis à Noyon que j'ai découvert la danse. J'ai découvert il y a 2-3 ans, en faisant un concours la Nuit des Jeunes Talents qui a été effectué sur Noyon. Donc j'ai participé à ce concours-là et j'ai remporté. À chaque fois que je danse, je m'exprime de cette façon. C'est comme je dis souvent, la danse pour moi c'est mon psy. Donc grâce à la danse, je me soulage en fait, je me lâche, j'exprime. J'exprime mon ressenti, quoi. Donc voilà. Et la danse, c'est ce qui me sauve aussi. C'est ma sauveuse.